Plusieurs fois,
Il ne se fatigue jamais de nous voir. Il ne se lasse pas de notre présence. Tu peux demander. Otika lola polele atanaye mbambale bele na beta kokoko makomi eloba polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo makomi eloba polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo peu importe le temps. Ce matin, lorsque j'étais en train de prier, à un moment, j'ai eu une forte douleur au dos. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Il m'a dit, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un en ces lieux qui a des douleurs vraiment qui le paralysent. Tu es guéri ce matin. L'Éternel est venu calmer ce vent de maladie et de douleur dans ta vie ce matin. L'Éternel est là ce matin pour guérir des maladies, des douleurs dans les corps. Il est là pour le faire. Oh. Il est là pour guérir. Il est là pour guérir quelqu'un. Je prie. J'ai prié pour ceux qui sont malades ce matin. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Dans le corps, dans le sang, dans la chair, dans les os, dans les muscles, dans les nerfs, dans les veines. Recevez la guérison de Dieu ce matin au nom de Jésus. Il est venu répondre à quelqu'un ce matin. Ainsi parle le Seigneur, je suis là pour calmer le vent dans ta vie. Je suis là pour menacer ce qui te menaçait. Je suis là ce matin pour menacer ce qui te menaçait. Je suis là ce matin pour calmer la tempête. Alléluia. Après de tels messages, la question que je me posais, qu'est-ce qu'on peut faire ?